We'll be right back.
dont Vincent Hanna, police de Los Angeles. Fille à qui tu as raconté des cochonneries au téléphone tous les jours la semaine dernière. Et... oh putain, mais j'ai juste... pourquoi j'ai voulu me faire cette pute? Parce qu'elle a un cul de déesse! Et que t'as la tête dedans! Et jusqu'à la bite! Nom de Dieu. Ah, je suis une terreur, hein. Mais quand je pense à la fesse, à un cul de déesse, je sais pas, mais je me retiens pas. Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. On va mettre un DVD pour caler le téléphone. On va mettre un DVD. Et voilà, une bonne pile de DVD, une bonne pile de DVD. Une bonne pile de DVD. Après choc. Salut à tous. Voilà, bon, ben, je suis content. J'ai fait quelques petites trouvailles. Voilà, vous savez que j'aime pas les DVD griffés. Et j'en ai trouvé un, comme par hasard, l'un de mes films préférés que je le trouve griffé et que j'aimerais bien qu'il sorte en Blu-ray. Je vous le dirai plus tard. Voilà, tout avant de commencer, j'aime multiplier les vidéos de d'achat. J'adore faire ça. On est plusieurs à faire ça sur YouTube, hein. Nous sommes plusieurs à faire des vidéos achats sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de gens qui en font. Il y a même des meufs qui en font. J'ai vu une meuf il n'y a pas longtemps, elle fait des collections de steelbook et tout, là. Elle a tous les films de Stanley Kubrick, etc., en Blu-ray et tout, putain. Une meuf, il y a même des meufs qui aiment bien des films de mecs, etc., qui font des collections de films de mecs. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, j'y viens, je commence avec les films que j'ai achetés. J'en ai acheté 20 au total pour 8 euros. Voilà, ça, j'ai payé un peu plus cher qu'en Belgique, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai passé ma carte 3 fois. Ma carte bleue, je l'ai passée 3 fois. Je lui ai dit, j'espère que t'as pas débité 3 fois. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Il y a un mec, une fois, j'ai acheté une sacoche à Roubaix. Il m'a, la première fois, non, ça marche pas, ça a pas tiré. La deuxième fois, je le fais, il m'a pris 2 fois l'argent. Il m'a pris 2 fois l'argent pour sa putain de sacoche de merde. Ça fait, lui, je lui dis, attention, j'espère que ça n'a pas prélevé. Je lui dis, je vais regarder mon relevé. Hein. Voilà. Vous imaginez, 8 x 3, 21. 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pardon. 24 euros, il m'aura pris. J'ai fait 3 fois. 3 fois. Voilà, le film qui est griffé, bon, je suis vraiment un peu dégoûté, mais bon, c'est pas vraiment des griffes profondes, mais bon, quoi, c'est le boîtier que c'est de la merde, quoi, mais bon, film jamais sorti en France, en Blu-ray, voilà, s'il existe un Blu-ray italien, que je l'ai dans mon disque dur, voilà, une copie du Blu-ray italien, voilà, le fan de Tony Scott. Très très bon film avec Robert De Niro, Wesley Snipes, John Leguizamo, Ellen Barking, la musique, elle fracasse, Hans Zimmer à la musique. Un putain de film, l'une des meilleures performances de Robert De Niro avec Heat. Il était une fois en Amérique et tout le Bataclan. Favelas. Un film sur la pauvreté, deux gamins qui tombent sur un portefeuille, j'ai lu le synopsis, et voilà, ce portefeuille appartient à quelqu'un, bon, la jaquette est un peu craquée là, mais bon, c'est pas grave, voilà, j'espère que le CD est en bon état, on va regarder ça tout de suite, parce que généralement, quand la boîte, quand la jaquette, elle est niquée, eh bien, généralement, c'est que le mec, il a pas pris soin du CD, quoi, on va voir ça tout de suite, hein. «
Le CD est nickel. Le CD est nickel. Favelas avec Martin Sheen. Et Rooney Mara. Rooney Mara, je lui défonce le fion. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, celle-là, Rooney Mara. Je sais plus, elle a joué dans quel film. Elle est trop bonne. Je crois qu'elle a joué dans un Freddy. Le Freddy 2010, là. Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Rooney Mara. Voilà. Moi, je suis arrivé à un point que je parle sans. Je parle, je parle sans tabou. Rooney Mara. Je sais plus, donc je crois qu'elle a joué dans un Millennium, si je me trompe pas. Millennium avec Daniel Craig. Je crois qu'elle a joué dans un Millennium. Je crois qu'il fait partie d'une trilogie. Elle a dû jouer dans un Millennium. Rooney Mara. Rooney Mara. Voilà, c'est un film qui se passe dans une cité, hein, dans une cité pourrie similaire à ici, sauf que c'est en Amérique. C'est à Rio. Voilà. Ça doit être un très. Oh, à Rio, laissez tomber la pauvreté là-bas. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Ça a l'air d'être un bon film. Favelas, le titre américain, trash. Voilà, je préfère le titre américain. Un film de 1982. Alors là, c'est un sujet tabou, putain. C'est un sujet très tabou. Film de 82 sur la guerre d'Algérie. Un mec est soupçonné d'avoir torturé des Algériens. Et une enquête est faite sur lui. Et attendez, je vais vous lire le synopsis. Alors, voilà, ça c'est un film réalisé par Pierre Schorendorfer. Il y a Frédéric Schorendorfer. Schoendorfer, excusez-moi si j'arrive pas à dire le même, à écorcher son prénom. Il a, je crois que c'est le père de celui qui a fait Truand, le film Truand de Frédéric Schoendorfer. Il a fait Six Packs, si je me trompe pas. Scène de crime, pardon. Je crois Six Packs, c'est lui. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Bref, je crois que c'est son père, où il y a un lien de parenté avec lui. L'honneur d'un capitaine. Voilà. Au cours d'un débat télévisé sur la guerre d'Algérie, le professeur Paulet accuse le capitaine Caron, mort au combat en 1957, d'avoir été un tortionnaire et un criminel. Patricia Caron, sa veuve, intente un procès pour sauver son honneur, sauver l'honneur de son défunt époux. 20 ans après la guerre d'Algérie, c'est une véritable enquête. Sur le passé de son mari, que va mener Patricia Caron pour sauver l'honneur d'un capitaine? Est-il un tortionnaire ou un soldat exemplaire? Point d'interrogation. Wow, je l'ai pris, film de 84, édité par Studio Canal en 2008. Scène coupée et tout le Bataclan, français en 5.1. Que demande le peuple? 110 minutes. Ça va être vraiment une curiosité pour moi. Vous savez que moi, je suis d'origine algérienne. Donc, tous ces thèmes-là sur la guerre d'Algérie, etc. et tout, c'est des sujets brûlants qui me passionnent de curiosité. Voilà. Le fameux Blade Trinity. J'ai le coffret Blade en Blu-ray. Mais en DVD, il manquait, j'ai Blade 1, Blade 2, il manquait Blade Trinity. Je suis content de l'avoir trouvé, Blade Trinity. Bon, c'est pas le meilleur des trois, mais bon, ça fait bien sa sauce, hein. J'espère qu'il n'est pas griffé. Oh putain, il est griffé, bordel de merde. Oh, il est griffé, putain. Voilà, c'est ça l'inconvénient quand vous achetez des DVD d'occasion. En plus, c'est un DVD locatif. Voilà, merde. Hein. Normalement, j'ai une policheuse, mais bon. Je déteste avoir des DVD griffés, comme par hasard, deux films de Wesley Snipes. Le Fan et Blade Trinity. Voilà, putain de merde. Oh, j'espère qu'il va passer. Bon, de toute façon, je les ai en Blu-ray, mais bon, merde. Voilà. Et c'est rare que je tombe sur des DVD griffés dans ce cash converteur. C'est vraiment très rare. C'est la première fois parce que les mecs. Il vérifie l'état du CD et voilà, il l'a peut-être pas vérifié. Il l'a pas vérifié, sinon il l'aurait pas pris. Voilà. La plupart des caches, les caches converteurs, ils prennent pas les DVD griffés.
Oh, celui-là, ça passe. Alors, comme j'ai trouvé le CD à l'envers, ça veut dire qu'il l'a testé. Blade, il l'a pas testé. Voilà. Mister J. Eddie Murphy. Voilà. Un gourou, Jeff Goldblum, il y a un peu la même histoire que moi. Il veut cartonner dans sa chaîne télévisée. Moi, je veux cartonner sur YouTube. Eddie Murphy est là pour faire grimper les audiences. Mister J. N'ai jamais regardé, mais bon. Eddie Murphy avec le crâne rasé, là, la Kojak. Avec la jolie Kelly Preston qui était mariée avec Travolta. Hélas, elle est décédée l'année dernière. J'avais fait un hommage sur ma première chaîne. J'ai tout perdu. Voilà, 99 centimes le film. Et 5 pour 2 euros. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne affaire. T'as vu mon ami Raph Blu-ray? Tu vois, la dernière fois, quand t'as mis 4 euros pour un film, je me suis dit, putain de merde. S'il serait là, il aurait bien profité d'avoir une vingtaine de DVD pour 3 euros de plus, quoi. Voire 25 DVD pour 5 euros, quoi. Je vous avais parlé de Drive la dernière fois. Je vous avais parlé de Only God Forgives. Là, je vous parle de The Place Beyond the Pine. Très, très bon film avec Ryan Gosling. Voilà, dans les trois films, Ryan Gosling, c'est un taré. Vraiment, il devrait faire plus de films comme ça. Il a fait trois films de taré. Voilà, je ne sais pas si c'est le même réalisateur, là. Non, ce n'est pas lui. Là, c'est Derek Clan de France. Sien de France. Ça, c'est un putain de film. C'est un putain de film. Bradley Cooper, je crois, il crève dans le film. Et il joue le père d'un des deux. Et il y a une vengeance entre il y a une vengeance entre Ryan. Non, je crois que c'est Ray Liotta le père. Et il crève. Et il y en a un des deux qui le tue. Et il y a une vengeance entre les deux mecs, quoi. Et entre les deux mecs, il y a Eva Mendes, la très jolie Eva Mendes, The Place Beyond the Pine. Très très bon film, sorti en 2012, 13 ans Blu-ray, en DVD, DVD Blu-ray. Très très bon film. Vraiment, j'adore Ryan Gosling. 12 minutes, bordel de merde. Un film que j'ai en version allemande dans mon disque dur, il est sorti il est sorti en Blu-ray il est sorti en Allemagne en Blu-ray, quoi, c'est tout. Voilà. Malheureusement, certains films français sortent qu'en Allemagne en Blu-ray. Eh ben, j'ai un rip du Blu-ray allemand, mais bon, je suis tombé sur le DVD, je suis vraiment très content. J'adore Clovis Cornillac. Hein. Vraiment, Clovis Cornillac est tout neuf. Clovis Cornillac, j'adore cet acteur. Hein. Il nous avait fait la série Chef, il nous avait fait Le Serpent, il nous a fait Scorpion. Brise de Nice, je ne l'ai pas aimé dedans. Hein. Le nouveau protocole, en fait, son fils y est mort et il veut savoir comment il est mort. Il est mort avec des médicaments. Et Clovis Cornillac attaque la société de médicaments. Il va jusqu'à tuer la bosse. La société de médicaments, elle est en pleine réunion et lui met une balle. Et dans ce film-là, il se sert de cobaye des Africains. La fille, elle avait raison. Dans ce film-là, on se sert des Africains comme cobayes pour les médicaments. C'est honteux de faire ça. Voilà. Le nouveau protocole. Clovis Cornillac qui est en guerre contre une industrie pharmaceutique. Voilà. Vraiment un très très bon film. Si je l'ai pris, c'est pas pour rien. C'est arrivé près de chez vous, un classique avec Benoît Poulvorde. Voilà. Man Beat Dog.
Man bit dog, ça veut dire l'homme à la bite de chien, non? Ça veut dire ça, non? C'est arrivé de près chez vous, un classique avec Benoît Poulvorde. Voilà, je suis content de l'avoir. Film en noir et blanc, à déconseiller aux hommes, à déconseiller fortement aux mineurs et aux âmes sensibles. C'est arrivé de près de chez vous. Un film de Walter Hill. Et après, je m'arrête pour faire une pause. Voilà, j'ai peur que ça coupe. Allez, j'enlèverai les étiquettes tout à l'heure de la mer. Sans retour de Walter Hill. J'ai vu que Mérège, il fait la critique en ce moment du cycle Walter Hill. Il parle de tous ses films. Sans retour, un film dans la lignée de Délivrance. Je l'ai regardé, j'ai aimé. Je l'ai dans mon disque dur en HD, il est tout neuf. Et vraiment, j'ai aimé. Ça ressemble à Rambo, etc. C'est un genre d'apocalypto aussi, voilà. C'est vraiment un très très bon film. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai découvert seulement l'année dernière. J'ai vraiment aimé ce film-là. Powers Booth qui est décédé, qui avait joué aussi dans un autre film de Walter Hill qui s'appelle Extrême Préjudice. Celui-là, je le cherche. Je ne suis jamais tombé dessus en DVD, quoi. Je sais que c'est édité par Studio Canal, mais bon, je ne suis jamais tombé dessus. Extrême Préjudice. Voilà. Sans retour. Très très bon film. Très très bon film. Je fais une pause et je reviens. Je suis de retour. Je suis de retour. Voilà l'inconvénient quand on n'a pas beaucoup de stockage dans son téléphone. Et ben voilà quoi. On doit décharger le truc et voilà quoi. Albator. Film d'animation Albator. Voilà, moi j'adore ce qui est animation. Voilà, il y a des films d'animation vraiment, ils sont vraiment bien faits. Je pense notamment à Alita, à Tila ou Alita là, Alita Battle Angel, Jean Blu-ray là, qui est produit par James Cameron. Albator. On va voir l'étang du disque. Je pense qu'il y a un ticket à l'intérieur. Ah, le mec, il l'avait acheté à OCD à Lille. Putain, le mec, il avait payé 15 balles. Il avait payé 15 balles, le mec. En 2014. Ouais, il l'avait acheté en nouveauté, quoi. Ah, il l'avait acheté en neuf, emballé. On va voir l'état du disque. Impeccable. Ça, c'est un mec qui prend soin de ses DVD. Voilà. Il avait acheté 15 balles à l'époque. Moi, je les ai touchés les 20 euros pour 8, les 20 DVD pour 20, pour 8 euros. Vraiment, c'est bien foutu, ça. C'est vraiment de la bonne synthèse. C'est vraiment bien foutu. En plus, James Cameron, il a dit que c'est un film épique, visuellement sans précédent, mythique, etc. Voilà. Albator. Cette fois-ci, un péplum. Un très bon péplum réalisé par Anthony Mann avec la très jolie Sophia Loren. Sophia Loren, c'était le sexe symbole des années 60. Voilà. C'était vraiment le sexe symbole des années 60, Sophia Loren. Voilà, comme les années passent vite. La très jolie Sophia Loren. Voilà. Bon, nouveau master haute définition. La chute de l'Empire romain qui dure 3 heures. C'est la même histoire que Gladiator de Ridley Scott, hein. Marc Aurèle. Commode de faire assassiner son père Marc Aurèle, comme dans Gladiator. Je suis impatient de regarder ça. Voilà. Gladiator, il s'est inspiré de ce film. Voilà. Et il a tué son père parce que son père, il voulait nommer un autre pour être son successeur. Tout comme dans Gladiator, hein. Je crois que dans Gladiator,
Marc Aurèle voulait désigner Russell Crowe, j'ai oublié comment il s'appelle. Et Joaquin Phoenix, il a pas supporté, il a tué son père. Il y a même une histoire d'inceste dans Gladiator. Le Joaquin Phoenix, il baise avec sa sœur. Voilà. J'ai regardé une vidéo hier sur YouTube sur ce sujet-là. Le père, il est fier de dire: ah, ben ma fille et mon fils, ils sont ensemble et je suis content. Et voilà. Ah, tout est devenu possible maintenant. Hein. Même baiser avec sa sœur, c'est devenu normal. Ouais, oui. Le mec, il a une attirance envers sa sœur, et ben il va la baiser. Voilà. Il n'y a plus rien qui m'étonne à cette époque-là, en 2021. La chute de l'Empire romain. Voilà, très très bon film. Voilà, un film dont j'ai jeté le Blu-ray. Voilà, j'ai envie de foutre le DVD dedans, mais voilà, il est marqué Blu-ray, donc ça va pas coller, quoi. Voilà, c'est le très génial Rescue Doll. Voilà, j'ai jeté le Blu-ray, je l'ai trouvé en DVD, je suis content. Très très bon film réalisé par Herzog. J'ai oublié, il a fait quoi comme film, mais je crois qu'il a fait Bad Lieutenant, je crois. Je suis pas sûr. Non, c'est Abel Ferrara, Bad Lieutenant. C'est Abel Ferrara. Ben, ce Werner Herzog, il a joué dans le film Jack Reacher, si je me trompe pas. Avec Tom Cruise, le premier Jack Reacher. Bon, j'enlève les étiquettes après. Rescue Dome. Très très bon film. Blu-ray défectueux de TF1. Là, le DVD ne sera pas défectueux. Le DVD, c'est immortel. Il est tout neuf. Rescue Dome. Rescue Dome. Christian Bale dans l'un de ses meilleurs rôles. Un hymne à la survie. Une excellente surprise, d'après une histoire vraie. 1965, l'aube de la guerre du Vietnam. Rescue Dawn. Blu-ray défectueux qui est parti à la poubelle. Rescue Dawn. Un film avec Ben Stiller que j'ai en Blu-ray, mais le Blu-ray est en version québécoise. Parce que c'est une édition belge de chez Dutch Film Works. Et je suis tombé sur le film, l'édition française éditée par Warner en DVD. C'est un film un peu trash, hein. Ben Stiller, il sait faire que des films trash. Si tu veux, je peux te lécher la chatte. Hein, il va, lui lèche la chatte et tout. Normal. Il vient de la connaître depuis 5 minutes. Voilà. C'est la femme qui fait de l'aide à la personne dans sa baraque, elle fait le ménage, etc. Et un jour, il vient lui dit: est-ce que tu veux que je te lèche la chatte? Elle lui dit oui, d'accord. Ils finissent par baiser tous les deux et tout. Et voilà, je crois qu'il lui lèche même le cul, je crois. Voilà, Greenberg. Greenberg, vraiment, Ben Stiller, c'est un taré. Hein? C'est un taré. C'est pas vraiment une comédie, c'est une comédie dramatique, ça. Le sixième sens de Michael Mann, l'histoire d'Hannibal Lecter avant celle de Ridley Scott avec Anthony Hopkins. Jonathan Demme pour Le Silence des Agneaux, ensuite c'est Ridley Scott pour Hannibal. Voilà. Le sixième sens, moi pour moi, c'est la meilleure adaptation d'Hannibal Lecter. Je préfère cette version-là que la version, malheureusement. À l'époque, j'avais le DVD MGM de ce film-là. Sur la jaquette, c'était Mindhunter. J'espère que la qualité vidéo sera bonne, parce que là, c'est édité par Opening. Le sixième sens. Le sixième sens. Voilà, de Michael Mann. Michael Mann qui nous avait fait Hit, qui nous a fait Collateral, qui nous a fait Le Solitaire, qui nous a fait Révélation. Il nous a fait plein de films, Miami Vice. Voilà.
Le sixième sens. Voilà, je préfère l'édition MGM, mais j'espère que la qualité sera bonne. Je l'ai en HD dans mon disque dur. Hein. Mais bon. Alors, ce film-là, je suis tombé il y a 2 jours en Blu-ray. Et je l'ai pas pris. Il est à 3,99. Je me suis dit de la merde. Je vais pas le prendre parce que l'addition sera lourde. Quand vous accumulez. Moi, j'essaye de niquer le moins d'argent possible dans les cash converters. Voilà. Et voilà, je suis tombé dessus en DVD. Je suis vraiment très content. J'ai le coffret Blu-ray qui est là. J'ai su qu'il y avait une suite juste après. Voilà, ce DVD a été testé parce qu'il est à l'envers. Donc le mec, il a regardé l'état du disque. Il aurait pu regarder l'état du disque de Blade. Hein. Vraiment, il est tout nickel, le CD. Merde. Mais bon, pour le prix que j'ai payé, c'est pas grave. L'âge de glace 4. J'ai posé le DVD, le Blu-ray il y a 2 jours et je tombe 2 jours plus tard en DVD. Voilà. Moi, en DVD, ça me suffit. J'ai pas besoin du Blu-ray. Voilà, j'ai déjà avec la trilogie en Blu-ray, je l'ai acheté 5 euros. Donc, de la merde, hein. L'âge de glace. L'âge de glace. Je l'ai déjà dit. Hein. L'âge de glace 4. Un film d'horreur avec Michael Ironside. Moi, j'adore Michael Ironside, Total Recall, etc. Il a fait des rôles de bâtard, plein de rôles de bâtard. Michael Ironside, voilà quoi. Scanners de l'autre, là, Cronenberg. Voilà, il a joué dedans. Blood Sucker, sorti en 2004. Michael Ironside. Joe Lando qui est mort, qui faisait des séries B. Joe Lando, il faisait beaucoup de séries B et il est mort. Il y a 2 semaines de ça, il est mort. Il y a un mec qui l'a buté dans l'avion et l'avion, il s'est crashé. Voilà. Bloodsucker. Michael Ironside, qu'on aperçoit là. Voilà, moi je vois que lui qui est connu quoi, dans le film. Hein. Mais bon, ce sera une surprise pour moi. Voilà, film en 5.1. La suite d'un film que, voilà, je voulais pas le prendre, mais je me suis dit, comme j'ai trouvé le premier, je l'ai pris comme ça, voilà quoi. J'ai trouvé le premier il n'y a pas longtemps, là je tombe sur le deuxième. Save the Last Dance 2. Voilà, j'ai trouvé le premier il y a quelques jours. Voilà. Save the Last Dance 2. Voilà. DVD à l'envers. Donc il a regardé l'état du disque. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas regardé Blade Trinity. Il est tout nickel, le CD. Je comprends pas. Ça, c'est une pépite que j'aimerais bien trouver en Blu-ray. Vraiment, je crois que je vais le regarder ce soir. Hein? Je vais le regarder ce soir. Le DVD, c'est increvable. Hein? C'est increvable. Je crois qu'il fait partie des DVD des Blu-ray défectueux, celui-là. Voilà, c'est une édition Gaumont. Ça a été édité par Gaumont, mais là, c'est édition Atlas. Mais bon, c'est pas grave. Un incontournable de la comédie. Les gens qui l'ont jamais vu, je vous conseille de le regarder. Le Dîner de cons. C'est un putain de film. Jacques Villeret, il joue le con. Il joue comme personne. Voilà. C'est un putain de film. Je l'ai regardé il y a une dizaine d'années. Francis Verbert, qui nous avait fait Les Fugitifs, qui nous avait fait Les Compères, etc. Voilà quoi. Francis Verbert. Et en plus, Vladimir Costa. Cosma, il a fait la musique de tous ses films, de tous ses films. La Chèvre, etc. Voilà. François Pignon, je crois. Hein? Non? Ah, il s'appelle pas François Pignon dans celui-là. Ah, j'ai cru. Bref, un incontournable de la comédie française, le Dîner de cons. Et les 2 derniers films. Voilà, les aventures de Kassé-Rayback que j'ai en Blu-ray là-bas. En Blu-ray import. Voilà, je l'ai acheté parce que j'ai le DVD là-bas. Voilà, Piège en notre mère. D'un cinéma, il y en avait parlé il n'y a pas longtemps. Piège en notre mère d'Andrew Davis. Oh putain, l'état du disque. Ah, ça va. Ça va, la face arrière, ça va. Mais là, putain. Oh là là. Là, il est niqué, là. Je ne sais pas comment ils font, les gens. Ils se torchent le cul avec les CD. Je ne sais pas comment ils font. Ils l'ont mis sur un mur en crépi, peut-être. Hein?
Ils l'ont frotté sur un mur en crépi. Je sais pas. Oh, arrêtez de vous torcher le cul avec les DVD, hein. Il y a le papier toilette pour ça. Bien, Jean, notre mère, d'Andrew Davis. Heureusement que la face arrière, elle n'est pas vraiment griffée, quoi. Et pour finir, un film qui a fait polémique, un film de Roman Polanski, avec la femme qui l'a accusé de viol sur le tournage de ce film-là. Cette femme, elle était très jolie à l'époque, elle avait joué dans L'Enfant sacré du Tibet. Elle s'appelle Charlotte Lewis. Voilà, c'est dans ce film-là que Polanski l'a soi-disant violée. Il l'a sodomisée, il lui a mis une bite dans le cul. Voilà. Moi, j'ai lu ça sur Internet. Hein. J'ai lu ça sur Internet. Oh là là, le CD est tombé, merde. Ah, le CD il est en bon état. Mais bon, voilà, il tombe tout seul le CD. Regardez ce qui est déplorable. Regardez ce qui est déplorable. Voilà. Voilà. De toute façon, j'aime pas Polanski. Je l'aime pas vraiment. Voilà. Voilà. Mais je l'avoue, il fait de bons films. Il fait de bons films, mais bon. Voilà quoi. Putain, il fallait. Comment je vais faire un trafic, moi? Regardez, voilà. Faudrait que je réimprime la jaquette. Voilà, en plus, ce film-là, il fait partie des Blu-ray défectueux. Voilà, je vais réimprimer la jaquette. Ça m'est jamais arrivé dans ce cache-converteur de tomber sur des films avec des jaquettes craquées ou des griffes. Jamais. Jamais, putain de merde. Merde! Merde! Et voilà. J'ai fait comme j'ai pu pour restaurer avec les deux débris de jaquette le fourreau. Voilà, comme la jaquette originale, la jaquette, elle était arrachée. Je me suis servi du fourreau pour l'avant et la tranche. Et l'arrière est resté la jaquette, quoi. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais bon, quoi. En entendant, quoi, voilà, quoi. Je l'ai mis dans un boîtier noir. Vous savez, il y a des gens, ils faisaient quoi? Ils prenaient les jaquettes Warner en carton. Les jaquettes Warner en carton, là, je dois en avoir un peut-être là.
Des jaquettes Warner en carton. Alors, j'en ai un. Par exemple, voilà. Des jaquettes Warner en carton comme ça, il y a des gens qui les arrachent et les mettent dans des boîtiers. Sauf que le carton, c'est très, très difficile à arracher, à couper. Ça fait dégueulasse quand vous le mettez dans un boîtier DVD, quoi. Et ouais. Salut à tous les amis. Salut à tous. Salut à tous.